Et salut tout le monde! Alors, je reprends aujourd'hui tôt le matin, en tout cas pour chez moi là. J'ai peut-être une petite voix un peu différente, mais enfin bon, bref. Donc, je continue cette partie. Attends, juste remettre la carte, voilà, comme ça, comme elle était de base. Ok, c'est parfait. Alors, par où je me dirige là? Il me faut toujours trouver des arènes et trouver des bandits. Pour le moment, enfin des pillards. Pourquoi je les appelle des bandits? Ouh, 34. Cela, il m'intéresse. Et on va se le faire directement. Ok, donc ça, c'est pas spécialement ce que je préfère, mais c'est pas grave. Et moi, je suis où? Je suis là. Ok. Enfin, qu'est-ce qui se passe? Horse archers! Troops! Raiders! Horse bowmen! Forward! Soldiers! Cavalry! Hear me! Ah, c'est peut-être ça, ok. Il avait un cavalier new. Mais pourquoi je peux pas? Qu'est-ce qui se passe? Je ne peux pas le lancer. Si quelqu'un sait pour quelle raison. Ah, mes formations manquantes, c'est deux. D'accord. C'est ça alors qu'il faut que je mette. Voilà. Ok. Là, tiens. Ok. Voilà pourquoi. Ok, donc ils sont là. On va les avancer un petit peu ici. L'archer est tout seul, quoi. Il va vraiment falloir que je fasse quelque chose. Ah, mais ils sont juste là, les cons. Ça, c'est bon. Même que j'en touche un. Faudrait que j'améliore mon arc. Mon lancer. Mais... Alors ok, on va s'y finir comme ça, j'espère que je passe un niveau. Ok. Voilà, il y en a encore un là-bas. C'est pas moi qui l'ai touché, mais c'est pas grave. Il y en a pas mal qui a augmenté de niveau. J'ai deux morts. Une recrue, un soldat d'infanterie chevronnée, quand même. Un soldat d'infanterie chevronnée impériale. Bon, 1 sur 15, ok. De toute façon, j'avais un petit peu trop de monde. Je vais faire en sorte. Alors, ça, je vais pas monter. Je coupe à 156, je vais pas le monter non plus. Je vais monter celui-là. Par contre, il va me falloir des recrues absolument. Parce qu'il va me falloir des archers. Là, je suis vraiment au minimum du minimum. Un archer, c'est pas suffisant. Ils sont vachement utiles quand même. Ok. Alors, on va se diriger. On va se diriger à la ville les plus proches. Enfin, la ville la plus proche est là-bas. Là-bas, je suis pas passé, je crois, encore. Bon, elle est quand même loin. Je vais me diriger plutôt par là. Les 19, là, si je pouvais les avoir, m'intéresse aussi. Non, tant pis. Je passe pas par le même endroit. Ah, mais attends, j'avais pas une quête, là? Non, ça, c'était fait. Ok. Bandit des forêts.
Ah, je voulais voir. Il était où l'encyclopédie déjà? Je n'avais pas d'encyclopédie, c'était N? Oui. Non, héros-troupe royaume. Non, les clans. Ouais, je sais pas si j'ai eu des nouveaux ou quoi, non. Alors là, je vais pas savoir. C'est pas grave. Pour le moment, je vais vendre mes prisonniers. Lui, c'est qui? Pas assez intéressant pour moi. On va revendre un petit peu tout ça. D'ailleurs, ça consomme combien? Bon, je suis à 13 jours, je vais pas non plus en abuser. Par contre, les céréales, ils sont à 11. C'est pas trop mal. Juste pour voir la valeur. Non, il n'y a que ça, ok, ça ne m'intéresse pas. Parfait, j'ai la vie à fond. Il y a encore du nouveau ici. Non, ok, c'est très bien. On continue là-bas. Bon, pour le moment, là, j'hésite encore un petit peu à me mettre en mercenaire. Parce que c'est là que je vais vraiment fortement augmenter mon argent et... comment est-ce qu'on appelle ça déjà? La renommée. Ah ok, ça augmente de 10 par niveau, d'accord. Mais par contre, ce qui me désole, c'est le nombre de groupes quand même. D'ailleurs, je vais juste voir... Il n'y a pas les options de mode ici. Hein. Ah, attends, il y avait quelque chose, c'était quoi? Alt... Ah merde, je sais plus. Non, c'est pas ça. Ah, je sais plus. Bon, tant pis. Je vais continuer comme ça pour le moment. Là, par contre, il y a l'arène. On va s'en faire une. Qu'est-ce qu'on a de bon à gagner, d'ailleurs? Ok, bon, ça m'intéresse pas, mais c'est pas grave. Il y a moyen de se faire pas mal d'argent. Fait défoncer, ok. J'ai plus qu'un cheval, il va se défoncer aussi. Ils sont les deux contre. Voilà, donc je suis tout seul maintenant. Ça, c'est très mauvais. Mais c'est encore faisable. Il reste deux bleus et un rouge. Un bleu, un rouge. On va se faire le bleu. Tu vas tomber.
Voilà. Bon, vraiment, la difficulté, ça me désole un petit peu. Ah, je suis très mauvais en lancer. Je vais se défoncer. Parfait. Allez, dernier combat. L'arme que je vais gagner, je vais la revendre directement parce que... Ok, avec les armes contondantes, ça peut être assez utile, mais pas pour moi, j'aime pas trop ça. C'est du combien d'ailleurs? Merde, non. Qu'est-ce que je voulais faire? Non, je vais le vendre. Voilà. Toujours ça de gagner. J'ai gagné un niveau également. Donc, qu'est-ce que je vais pouvoir monter? C'était ça, l'arme d'ast. Augmente de dégâts avec, avec les armes d'ast lorsque vous êtes à dos de monture de 2%. Augmente vos dégâts avec les armes d'ast de 2%. Voilà, je vais prendre ça. C'est surtout là que je vais en avoir besoin. Divise par deux les chances que votre monture meure ou devienne estropiée après une chute au combat. La colonie gouvernée gagne 0,5 en prospérité par jour, ça c'est pas mal du tout. Augmente les points de vie de votre monture de 20%, les montures de troupes que vous commandez ont 10% de points de vie supplémentaires. Moi je vais prendre plutôt celui-là pour la prospérité, pour plus tard. Et je vais monter, j'ai deux points, donc je vais monter un ici et un là. Pour le moment, on va rester comme ça. Lui, c'est bon. Ah, je crois en fait, non? Ouais, c'est tout bon. Ok. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Rien pour le moment. On se dirige plutôt. Bon, ça sert à rien de faire tout le tour. Pour le moment, je vais me diriger là-bas. Grande vitesse si possible, évidemment. Oups. Ok, donc non, ça ne m'intéresse pas. On va sur Poros. Ça se passe toujours bien de toute façon les arènes à ce niveau. Tant que j'ai de la vie, ça va.
Il n'y a pas vraiment de difficulté. C'est pas très très intéressant. Ils sont morts en même temps, ces deux-là. Ok. Un contre un. Contre Dinoric le bruyant. Bah tiens, c'est peut-être celui que je vais recruter. Vas-y, fais tes preuves, là. Ok. Bon, bah voilà. On va quand même t'engager. D'accord. Je vais voir ce que c'est, cette... cette quête, ça peut être intéressant. Il faut aussi absolument que j'augmente un peu mes relations. Parce que là, moins 1, 0, 0, moins 2 avec l'autre, moins 3 pour celle-là en plus. On verra. Recruter des trucs. Non, c'était commerce. Attends, je vais déjà voir avec la mienne. Ouais, ok, moi j'ai mieux. Mais celui-là est quand même plus sympa, je trouve. Ok. Je voulais recruter celui-là. Je vais lui parler. Ok, je pourrais avoir besoin de vos services. Ok, pour 484. Je suis à moins 194. Par contre, il va falloir l'équiper, le bonhomme. Et j'avais dit... une main arme d'ast, arc non, équitation, tactique 40, bah c'est mieux que moi. Ah oui, qu'est-ce que je vais faire? Oui, reconnaissance, alors. Ça j'ai complètement zappé. Éclaireur, il faudra que ce soit lui. Ok, on va laisser comme ça. Non, c'est pas ce que je voulais. Donc lui il est équipé comment? Ok, donc il y a quand même une commune. On va quand même voir par valeur. C'était une bête de somme normalement, mais cheval du désert. Donc ça j'ai pas encore le niveau d'équitation. Je baisse en point de vie, mais ça c'est pas bien grave. J'ai une meilleure vitesse, une meilleure manœuvre. Je reprendrai comme ça, je vais remplacer. Et il va me falloir également harnais ou celle légère à 427. Allez, vas-y, j'ai les moyens. Je vais pas m'en priver. Ok. Et pour le reste, ils vont s'équiper avec, enfin, avec ce que je vais récupérer. Ah, attends. Je voulais voir aussi lui. Alors, on peut dire ça, je travaille tout le matin jusqu'à tard le soir et pourtant j'arrive à peine à joindre les deux bouts. Pourquoi? Parce que je ne peux pas vendre mes marchandises à un prix correct. La loi stipule que je ne peux vendre qu'aux marchands locaux. Il y a des prix fixés, ok, je vois. Donc ça, mes excuses, mais je peux rien faire pour le moment. C'est le genre de truc qui va m'emmerder. Ça augmente la relation d'une personne, mais ça baisse avec un autre. Donc ça ne m'intéresse pas vraiment. Enfin, ça ne m'intéresse même pas du tout. Bon, il n'y a pas de pillard ici assez sympa qui m'intéresse. Ce que je vais faire du coup, je me dirige là-haut. Allez, c'est parti. Maintenant que je suis là, je vais quand même faire un tour ici. Recevoir des marchandises, ça m'intéresse pas. Et lui, il m'intéresse pas non plus. Nourriture, c'est toujours bon. On continue.
Pas de quête, pas d'arène. Taverne. Reconnaissance à 120. Il me paraît quand même mieux que l'autre. Il était à combien d'ailleurs? C'était lui, à 100, ouais, bon. Pour 22 différences. On continue une autre ville. Pilleur 4, ça m'intéresse pas. 6 non plus. Là, il me faudrait franchement des gros. Ah, mais j'appuie toujours sur des boutons qu'il faut pas. Base de bandits. Alors, la base de bandits, je pourrais peut-être me le faire quand même. Que ça, ça rapporte quand même pas trop mal. Et pas mal là, aussi de relations. Allez, vas-y. Il y a cette vieille ruine, un endroit qui offre une bonne vue sur les routes tout en étant difficile à atteindre. Inutile de dire qu'elle attire beaucoup de bandits. Une nouvelle bande s'y est installée et fait passer un sale quart d'heure à tous les voyageurs et caravanes des environs. Tout groupe de bandits peut facilement apercevoir et fuir une armée plus grande qui le pourchasse. Mais si vous entrez dans le repère avec un petit groupe de guerriers déterminés, vous pourrez les prendre par surprise. Sinon, vous pouvez aussi assigner l'un de vos compagnons avec environ 10 hommes pour accomplir cette tâche si vous préférez. Eh ben, je vais m'en occuper moi-même. Et donc, ça se trouve là-bas. Et pareil, là-bas, faut passer de nuit, je crois. Il est où? Il est là. Ok, c'est parti. Par contre, ces bandits, du coup, c'est des montagnards à chaque fois, hein. Enfin, les bandits des montagnes. Donc là, il faut que je mette... Ouais, lui, il est moyennement... Il n'y a même pas de bouclier, donc lui, non. Je vais plutôt mettre un soldat d'infanterie. Ça me paraît quand même mieux. Voilà, comme ça, on est équipé, c'est parfait. Alors, déjà ici, alors déjà, formation bouclier, non, pour tout le monde en fait. Hein. Et puis, c'était comment déjà pour me suivre? C'est ça. Non, tout le monde. Ok, on est bon. Il y en a deux. Je me suis loupé. Je me suis encore loupé. Je l'ai bien chopé le vilain. C'est une bonne manière d'augmenter son niveau d'arme, enfin son niveau d'arc, ou son niveau d'archer plutôt pour être précis, c'est vrai que c'est plus français. Bon par contre, avancer un peu plus vite quand même parce que là... Il va vraiment falloir que je reprenne l'habitude. Allez vas-y, on va se faire depuis là si j'y arrive. Ils sont 4 là-bas. Si vous me suivez, il faut vraiment jouer sur les ordres avec eux. J'ai pas envie d'avoir un seul mort. Par contre, j'ai l'impression qu'ils ne me suivent plus. Voilà. Glory!
disponible. Bon, c'est toujours sympa cette... Ah, mais à chaque fois, faut que je mette tout le monde, là. Faut que j'arrête ça. Ce sera le numéro 2, mais avant, c'était pas comme ça. Tout le monde, c'était 0, normalement. Non. On va attendre les autres. Ok, formation. Vous vous dirigez par là-bas. Je vais les attirer. On va le trouver tout seul. Putain, j'ai plus de flèche. Bien dommage. Bon, c'est pas grave, on va se les faire comme ça. Il reste quoi? Une personne encore? Une, deux personnes? Ok, maintenant il reste plus que le chef de groupe de clan. Il va me demander de me battre seul contre lui, mais je vais refuser. J'ai l'impression que je récupère plus en fin de combat si je refuse son combat. Ok, parfait. J'ai pas de blessé, j'ai pas de mort. 12 morts de blessés pour eux. Je vais pouvoir les prendre comme prisonniers, c'est très bien. Le bruyant, on va le mettre là. L'archer, on va le laisser en bas. Ok, là on est tout bon. Et là on devrait récupérer des choses intéressantes normalement. Un poney. Ouais, on va peut-être donner ça à quelqu'un d'autre. Tiens, ça c'est mieux. Ok, qu'est-ce qu'on a de bon? Ça, c'est mieux pour lui. Ça également. Arme d'Ast, ça c'est bien pour lui par contre. On va juste continuer avec lui. Ok, ensuite pour lui. Non, d'abord lui, on va donner ça. Et ça également, bah dis donc, on s'améliore comme ça, c'est très bien. Bon, tu seras équipé un petit peu bandit, mais bon, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Ok, là on est tout bon. Voilà, j'ai gagné un point de renommée, c'est-à-dire que j'ai monté d'un niveau. Ah non. Ah, seulement un point de renommée. Il me semblait que ça montait beaucoup plus que ça. Bon, c'est pas bien grave. Votre compétence, donc, frappe rapide, plus de la vitesse de maniement des armes à une main, colonie gouvernée voit leur recrutement de munitions augmenter de plus 0,5 par jour. Alors ça peut être utile ou non, parce que ça coûte cher aussi une fois que nous avons une colonie, l'armée a un prix quand même, un coût. Enfin l'armée, la milice à l'intérieur.
Augmente vos dégâts avec les haches, et les masses d'armes de 5%. Donc j'ai plutôt prendre ça. En charme, c'est très intéressant. Gagner plus 5 points d'influence en remportant un tournoi. Ouais. Gagner plus 1 point de morale lorsque vous êtes dans une colonie assiégée. 30% de chance en plus d'avoir des enfants. Et 10% de chance de gagner plus 1 point de relation par jour avec un notable aléatoire de la colonie gouvernée lorsque des projets continus sont actifs. Moi, je suis un viril. Athlétisme. Augmente votre vitesse de déplacement de 3%. Les troupes à pied de votre formation gagnent 5% de vitesse de déplacement. Augmente votre maximum de points de vie de plus 5. Les troupes à pied. Ok, je vais plutôt prendre ça, la rapidité. Et en commandement, toutes les troupes du groupe gagnent plus 2 XP par jour. Augmente le niveau de recrutement des unités partageant votre culture auprès des PNJ. Oui. Plus 4 XP quotidien pour les troupes de niveau 1 et 2. Chaque troupe dans la garnison gagne plus 3 XP par jour. Ça peut être sympa quand même. Car ce sont les plus bas qui m'intéressent. Il faut que j'augmente ceux. Les plus petits niveaux. Ok, je crois que là c'est tout bon. Je vais monter quasiment à 8000. On n'en est pas loin. J'ai cru que c'était noté le bon coin. Extorsion par des déserteurs. Ça peut être intéressant aussi. Par contre, si vous avez assez d'argent. Non, ok. Si vous avez assez de pognon pour tout me racheter, je dirais que je vais pas m'en priver. Oui, largement assez. On va juste augmenter un petit peu ça aussi. Ok. Donc j'en étais à où? Ouais, il fallait que je passe sur la guetta. Pas de tournoi apparemment. Donc par contre, il y a beaucoup de monde qui tourne dans le coin là. Armée de braconniers, encore un, je vais me le faire. Escorter la caravane marchande, j'ai pas trop le niveau encore pour le moment, quoique. J'ai combien de personnes là? Je suis à 27, là, si je pouvais recruter encore quelques personnes, non. Donc ça ne m'intéresse pas. Ah oui, la taverne, il n'y a rien. Et je peux vendre ça. Ok. Donc rien d'intéressant ici. Je pourrais me diriger un petit peu aussi où. On va d'abord descendre là-bas et puis après on va passer à l'ouest. 18 pillards à 3,4 de vitesse. Ouh, il y a un tournoi. On va y aller. On va se le faire. Recevez des marchandises. Ça m'intéresse pas. Commerce, ça m'intéresse pas non plus. Quoique. Déjà, je vais faire ça. Par contre, ce qui va m'être utile, c'est de trouver une épée. Je crois, je suis à 103 quand même de longueur. Il me faudrait une épée un peu plus longue. Après, ça demande, non, c'est trop cher après. Les longueurs sont 9, donc ça ne m'intéresse pas. Là, il n'y avait rien. Ok. Donc, on va à l'arène. Qu'est-ce qu'on a gagné? Ah ben voilà. Longueur d'arme, sans vente. C'est parfait, c'est exactement ce que je voulais. Ça tombe vraiment à pic. Donc c'est vraiment que par 150 à chaque fois. On pouvait pas parier plus. Oh
Oh non, ah mais je suis mort en plus. Mais non, puis c'est maintenant que je vais crever, c'est pas possible. Il en reste quoi, deux? Ah non, ça va, je pense qu'on gagne, j'espère en tout cas. C'est bon, il reste plus qu'un. Parfait. Donc là, on est tout bon. On continue. Mais cette fois-ci, il faut pas que je fasse ce con. Mais j'ai perdu de la vie. Non, même pas. J'ai reçu un méchant coup, je pense. Se faire avoir une deuxième fois. Cette épée, je la veux. Et je vais la récupérer. Coupée. On passe à manche et on continue pour le dernier. Donc quoi, j'ai que 3 renommées. Ben, ça va très bien. Voilà, on a encore 8 à faire. Donc déjà ça, je récupère. Ah ouais, en plus c'est même pas vraiment mieux. Si quoi que ça en tranche, hein, c'est mieux. C'est les stocks qui est moins bien, mais c'est pas mal. Le rang de l'arme a augmenté. Et la longueur est bien plus grande. Donc quand même plus intéressant. Ça, c'est mieux pour eux. Ah non, je vais laisser comme ça. On va vendre cette pourriture. Ok. Donc là, c'était quoi, receler les marchandises? J'avais dit que ça m'intéressait pas. On continue. On va passer sur Sargot. Pour le moment, je suis en guerre avec personne. On verra pour le prochain épisode. Je pense que je vais rapidement me mettre... me mettre mercenaire pour un clan, enfin pas pour un clan, mais pour un royaume. En plus, il y a un tournoi. Et ben pourquoi pas. Qu'est-ce qu'on a ici? Une bande de... Une bande a besoin de recrues. Non, ça me fait chier aussi. Se rendre à l'arène. J'ai déjà regardé la taverne, il n'y a personne. Ici, il y a quoi comme troupe? Ouais. Ils sont pas forcément mauvais, mais il faudrait que je garde quand même les personnes, les miens, quoi, si je puis dire. Ah, qu'est-ce qu'il a d'intéressant, lui? 104, ah bah ça sera pour quelqu'un de mon clan. Ah voilà, ça c'est ce que je veux exactement. Arme d'ast. Ah non, ça c'est une arme à deux manches. Et ça fait mal, mais il me faut à peu près la même chose à cheval. Non. Non. Oh, oh. Est-ce que j'ai perdu ou pas? Non, ça va, je peux continuer. Faut pas que je fasse ce con. Oh, ça c'est les arbalades, j'ai pas du tout ça. Je préfère aller me battre au corps à corps. Pas bon. Ouf. C'était moins une. Encore. Bon bah, on va essayer, mais... Voilà, ça c'est le problème. Et... Ah non, il est mort. Ok, ça va, ça peut le faire.
saloperie. Allez, le dernier. Allez, viens par là. Ok, c'est parfait. 1575, on est bientôt à 10 000 d'ailleurs, quand même. Ce n'est pas rien. Allez, vas-y, on va lui donner à lui. Et ça pour lui. Ok. On va pouvoir vendre ça. Nickel. Donc ici, il n'y avait personne à la taverne. On continue. Par où est-ce que je vais me diriger? Ouais, on va retourner un petit peu par chez nous quand même. Hein. Toujours des pillards. Il me semble qu'on pouvait croiser aussi des pirates à un moment donné. Je sais pas où ils sont. Mais bon, c'est peut-être pas une très bonne idée parce qu'ils sont tous avec des chevaux. Et c'est assez pénible. Ah, tiens, là, encore une arène. Je vais faire encore une arène. Par contre, qu'est-ce qu'il y a ici? Rien du tout. L'armée de braconniers, escorte la caravane. Oui, c'était ça, là. L'armée de braconniers que je voulais me faire. Je vais vite me faire l'arène encore une fois. Ça va être une partie, un épisode avec beaucoup d'arènes. Ah oui, mais en fait, c'est vrai que j'ai un problème avec mon armure. C'est quand même assez costaud. Et forcément, je ne résiste pas beaucoup. Alors là, c'est du 4 contre 4. Voilà, parfait, je suis en cheval. À cheval, je préfère. Féliciter, ça c'est sûr. Ça c'est bon, on continue. Bon, c'est très rapide quand même. Mais toujours trop simple. Oups. Allez, tu vas pas me la mettre à l'envers, toi. C'est qui, c'est Faustor. Ok, tu vas apprendre à me connaître, Faustor. On sera sûrement en guerre, un de ces quatre. L'un contre l'autre. Ok. Donc là, j'ai gagné un niveau. Est-ce que je vais pouvoir mettre ça? J'ai quand même pas mal augmenté l'équitation, on va continuer comme ça. Et après, je vais monter un petit peu le reste. Par contre, je n'ai pas regardé les autres. Non, ils gagnent rien, c'est plutôt moi qui fais beaucoup d'arènes en ce moment. Et puis, j'ai tenté de me faire l'armée de braconniers. Alors, blablabla, on va pas... Oui, voilà, ça je prends direct. Et ça va aussi augmenter un petit peu mes relations avec elle. Ça va m'être très utile, donc c'est juste là-haut. Par contre, c'est déjà la nuit, il va falloir laisser passer une journée entière, c'est bien dommage. Mais c'est pas grave, on va attendre un petit peu. Donc les voilà, ils sont 16, on va les combattre directement. Ils sont là-bas, ok. Alors. Ok, c'est parti. Et
c'était des archers, donc on va les attendre. Infantry! Make a footman! Forward! Horsemen! Wall! Now! Warriors! Bowmen! On va les attendre, ça va faire la surprise. Dès qu'ils arrivent, on attaque. Là, je vais tester mon épée. Comme ça, ils sont assez proches, c'est parti. Par contre, il est tout seul. Ça va les blesser, il n'est pas mort. J'ai juste un blessé, c'est nickel. Un prisonnier. On va l'augmenter celui-là. Bon, pour le moment, je me fais quand même du pognon. Donc, on va continuer comme ça. C'était bien ça, en 228. Ça aussi, il va falloir que je change. Il va falloir que j'aille acheter. J'aimerais juste augmenter. Tiens. Pas forcément le nombre de flèches, mais surtout. On va retourner là-bas. Mais j'aimerais surtout. Ah bah voilà, 4. Et du coup, j'aimerais voir aussi si elle me propose des autres troupes. Une supplémentaire. Je pense, mais j'en suis pas certain. Déjà, commerce, on va revendre un peu toute cette merde. Ça, ça m'intéresse pas, ça non plus. Et ça, on peut vendre. Et par contre, ce que j'aimerais... Donc, les flèches... Voilà, par exemple, là, j'ai 1%. 473, 2%, 25. 3%, 24. À 2000. Et 4%, 3%, 24 et 23. Allez, vas-y, je vais prendre celui-là. Et je paye 752, du coup, c'est très bien. Ok, bon, je pense... Ben, j'ai pas trop de temps, va falloir que je m'arrête là, je pense, escorter la caravane. J'ai à 64, je vais attendre un petit peu quand même. Histoire de remonter un petit peu ma vie, il va falloir aussi que je rachète un petit peu de nourriture. Il me reste 6 jours avant la pénurie. Ça, c'était bon. Ben voilà, je suis passé 80%, on va arrêter là, parfait. Je vais sauvegarder... Toujours au même endroit ici. Bien sûr que j'écrase. Ok, c'est parfait. Pour la prochaine partie, je pense quand même que je vais augmenter. J'en profiter du coup, vu que je n'ai pas besoin forcément d'augmenter ma renommée. Tiens, d'ailleurs, je vais regarder si je peux. Oui, voilà. En fait, c'est bien par 10. Donc, ouais, ça va, c'est pas trop mal. C'est juste dommage pour le nombre de troupes, en fait. Ça casse un peu, quand même, la chose. Mais bon, c'est pas grave. Ah, j'ai ça à vendre, par contre. Voilà. Ça, on est bon. Je vais re-sauvegarder. Ok. Ouais, pour la prochaine partie, on verra si je vais directement me mettre en tant que mercenaire pour n'importe quel groupe, je pense, de l'Empire. Je vais rester un peu dans l'Empire quand même. Vu que j'en suis un, il vaut mieux. Et puis on verra bien comment ça va se passer par la suite. Peut-être aussi un petit peu d'arène encore supplémentaire. Parce qu'il va falloir que j'améliore un petit peu mon stuff. D'ailleurs, il va falloir que je me prenne une cape là aussi.
Pour augmenter mon armure, changer le cheval et tout ça, il va falloir que j'équipe, mais il va aussi falloir que j'améliore. Il faut que j'arrive au niveau 60 ici, j'en suis pas loin d'ailleurs, là, 54. Encore quelques combats à l'extérieur et ça devrait le faire. Là, je suis à 60 et à 32, il va falloir que je m'achète aussi une arme d'as pour que je puisse augmenter tout ça. Mais il va falloir que je passe chez les Kuzaït pour acheter ce dont j'ai besoin. Donc peut-être que je vais faire un tour par là-bas. Et en plus, l'arme d'ast qu'il me faut ne coûte pas très cher. En tout cas, moins de 3000 si mes souvenirs sont bons. Et ça va être assez dévastateur. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Et puis je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!